Shyness, The Lightning Kingdom est un action RPG développé par Enigami et édité par Focus Home Interactive, sorti le 18 avril 2017. Disponible sur PC, PS4, Xbox One. Ce jeu vous plonge dans un monde vibrant où vous incarnez Shadow et ses compagnons, chacun avec des pouvoirs uniques, dans une aventure pleine de magie et de combats dynamiques. Si vous aimez les jeux aux univers colorés et les mécaniques de combat originales, Shyness est un titre à ne pas manquer. Abonnez-vous pour plus de vidéos découvertes. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte. Un jeu qui s'appelle Shyness, The Lightning Kingdom. Je me suis pas spoil, maintenant je ne me spoil plus les jeux que je teste en découverte. Je veux faire la découverte en même temps que vous parce que c'est toujours un plaisir. Moi, en fait, ça me fait une vraie découverte au lieu de me renseigner et tout. Évidemment, vous avez eu les informations en amont parce que j'ai fait le montage et tout. Moi, je suis au courant de rien. Donc voilà, j'espère que ça va être une belle découverte. Je ne sais même pas quel genre de jeu ça peut être pour vous dire. Je vois juste qu'il y a 4 couleurs, donc j'imagine qu'on va pouvoir switcher entre différents personnages. En tout cas, c'est parti. Je vous mets sur l'écran. Et puis, let's go. Hein. Alors, on va peut-être voir les options. Vibration, off, luminosité, on va peut-être le mettre à 100, image par seconde, ouais. Il n'y a pas de... Ah, V-Sync, ok. Anti-aliasing, je sais pas si ça vaut le coup en vrai sur un jeu en 2D, je crois il est en 2D. Hein. Le volume, blablabla, bla bla, ok, appliqué. Et c'est parti. Pour la découverte. Il y a une petite cinématique, je vous laisse profiter. Ou quoique, parce que ça a pas l'air... À l'origine de tout, les... Ah. Je me suis fait avoir, là. Une légende raconte qu'il existe une météora que personne n'a jamais foulée, les terres de vie, un lieu où humains, Shelk et Wakis pourraient à nouveau être réunis. D'après la légende, les Shyness, des esprits de la nature, savent comment se rendre sur ces terres miraculeuses. Can you see us? Yes, I can see you. Well, just one of you. And clearly you can hear us too. This is such a rarity. We are what's called a Shyness. We are the spirit of the earth. You can see us and hear us. This means you are an exceptional being. And what, may I ask, is our new little friend called? My name's Shadow. Pleased to meet you, spirit of the earth. Please, call us Terra. It will make our journey easier. Why, what? Our journey? Pas mal. Donc c'est un jeu en 3D. I can't run anymore. Just a little longer. We haven't got far to go. Rosalia. Can you keep going? Please. Do not worry, Cayenne. It's not like I've broken my leg or anything. Morning has broken. The Adoria army must be hot on our heels by now. So I'm afraid we have no time to rest. I don't have much strength left. You can do it. You have much courage inside you. It's what made you want to seek out the truth in the first place. Use that courage now. Would you like me to carry you? No. Thank you. I'll manage. Let's go. What is...
Oh, elle a pas endommagé que le moteur. Ça commence sur les chapeaux de roue, ouais. Méonis, fragment numéro 1. Wake up, Shadow. Come on, get up. This is no time to be sleeping. Shadow. Terra, what happened? Great damage control there. You managed to straighten out the ship at the last minute. I really did that? You sure did. Though, that still has to be just about the worst landing we've ever had the misfortune to witness. Oh, Pokey! I hope he's okay! We didn't mean for any of this to happen. We're so sorry, Shadow. Hey, don't sweat it! This is my journey, too. Don't you forget it. Huh? Pokey? I'm sure that crybaby is somewhere safe. Let's go find him. This walkie has totally lost his mind. He's talking to himself. Franchement les gars, je suis bluffé. Hein. Il y a du budget. Hein. Sois prudent Shadow, cette forêt nous regarde. Allons chercher Pokey. On est où? Nous? On retrouve Pokey en route pour les terres de vie. Ok, donc je peux bouger. Je peux sauter. A, B, Y, Y, ok, c'est un menu. Je peux pas taper, je peux rien faire. C'est vraiment un sale état, impossible de repartir. Ok. On va aller visiter un petit peu. Alors la 3D a énormément vieilli là. Surtout qu'il y a beaucoup d'herbes. Faut que tu apprennes à utiliser ta capacité. Tu peux invoquer des menhirs et les utiliser comme toi. Tu peux aussi les lancer, mais nous verrons ça plus tard. Utilise Chimeniro pour ouvrir le passage. RB. J'ai pas tout compris là. Ah, faut que je pose ça là. Attention, tu peux invoquer que deux menhirs à la fois. En invoquer un troisième fera disparaître un menhir à proximité ou bien le premier que tu as invoqué si les menhirs sont loin de toi. Ok. Donc là, j'invoque. Je pose. Mince. Poser. C'est le temps d'être tranquille. Hop là. Donc première énigme, ça va, c'est pas trop dur. Un coffre, tu devrais y voir des choses intéressantes. Ouvre-le. Un coffre ça? Pomme bleutée. Mais franchement, ça ressemble à un RPG dans les mécaniques. Des pommes bleutées, idéal pour te remettre en forme. Elles ont été attribuées à un emplacement. Mange une pomme pour récupérer. Alors LT. Ok, c'est bien ça. Hein. Là, c'est un ennemi. Un cloqui, il a l'air endormi. Profites-en pour t'entraîner au combat. Approche-toi et engage le combat. C'est donc bien un RPG. Donc, on va profiter. Là, il est énervé. Tu devrais te protéger. Protège-toi. Nous allons maintenant t'apprendre à faire des esquives. Fais quelques roulades pour rester à distance.
Les esquives te permettront de survivre. Une esquive au bon moment te permettra d'éviter une attaque. Allez, maintenant, il est temps de mettre en application ce que tu as envie de ton combat. KO! On gagne de l'XP, on a un rang, on a un niveau, ok. Et j'ai des récompenses, donc c'est un RPG, clairement. C'est un action RPG, plutôt. Donc là, c'est là où j'étais. Hein. Là, il y a un coffre. Griffe brisée. Alors, peut-être que ça me permettra d'avoir des armes. Disciple Kimpao. Main. Ça a l'air compliqué, hein. Oh, ça a l'air compliqué. Ok. Tu peux cibler et décibler tes adversaires en combat. De simple. Quand on a compris le principe, ça commence à devenir un peu plus simple. Ça peut toujours servir si j'ai quelque chose à réparer, des engrenages. Donc c'est un objet clé. C'est qui lui? Enfin, c'est quoi ce crapu? Ça a réveillé tous les Pnocchi. Tu as appris à piloter ou toi? Mais qu'est-ce qu'un Waki fait dans le coin? Ah, faut répondre. Pas le temps de causer. Je vais retrouver mon ami. Bah va chercher ton ami et fais attention où tu mets les pieds. Si tu marches sur une pousse de Pnocchi, je te jure que je te traquerai jusqu'à le bout de la forêt. Ça marche. Je vais juste leur peler les tabasser, quoi. Alors pour l'instant, le jeu, vraiment, il est bien. Si ça a l'envergure d'un vrai RPG, les gars, on en a pour une trentaine d'heures de jeu. Trentaine, quarantaine, peut-être. Je dis ça, j'en sais rien, hein, mais peut-être. Vous n'êtes pas les bienvenus en ce lieu, jeune Waki, disparaissez. Ne vous inquiétez pas, je compte partir aussitôt que j'ai retrouvé mon ami. Je vais également réparer mon vaisseau, car là, il n'est plus vraiment en état de voler. Vous tombez du ciel à un très mauvais moment, jeune Waki. Même l'orage se serait fait plus discret. Vous vous mettez en danger, alors disparaissez au plus vite. Mais je précise que c'était un accident. Ne la contrarie pas, voyons. De plus, cela ne nous inspire pas confiance. Ça commence à sentir mauvaise histoire. On ne peut pas laisser Pnocchi seul dans cet endroit. Nous avons ressenti beaucoup de crainte et d'inquiétude dans sa voix. Cela laisse présager un danger imminent. Quoi qu'il en soit, il faut retrouver Pnocchi au plus vite. C'est pas le moment de se dégonfler. Tu as raison. Cette porte semble liée à ce bulbe là-bas. Nous allons régler le problème. Réinvoque un menhir et lance-le sur le bulbe. Donc, on invoque. Et on passe en mode lancer. Ça doit être bon, ça. Et bah, nickel. Tu peux aussi lancer le menhir afin de faire du bruit pour attirer l'attention des ennemis. Tu devrais essayer. Il est où l'ennemi? Je suis un gardien de souvenirs. Je les trouve tellement bons, mais même si parfois ils ont un goût d'amertume. Confie-moi un souvenir, je te promets qu'il sera sauvegardé. Oui, allons-y. Ok, le système de sauvegarde. Basique. Il y a sûrement un interrupteur ou quelque chose. Verrouille adversaire. Tu peux modifier. Okay. Donc là, ça s'ouvre un petit peu, le monde.
Leurs démons sont agressifs et d'autres te laisseront tranquille. En général, les monstres te repèrent s'ils te voient ou t'entendent, alors reste discret. Bon, au pire, on reste sur le chemin. Hein. C'est pas compliqué d'imaginer ce qu'il nous demande. Là, on en pose un. On invoque un autre. On en pose un. Et c'est parti. Pour... pas du tout par là. Par ici, voilà. La save. Oula. Il va falloir parer. Si tu la déclenches juste avant l'attaque d'un cerf, tu bloqueras complètement. Tu pourras alors contre-attaquer. Ok. Je vous assure que c'est super dur. Ok. Maîtrise-la et tu mettras tes adversaires en grande difficulté. Attention, la parade consomme de la tension. La tension est représentée par la jauge jaune juste en dessous de tes points de vie. Donne des coups de poing ou des coups de pied à l'ennemi pour remplir la jauge. Tu gagnes également de la tension en encaissant des coups et nous te conseillons de te baser uniquement là-dessus. On dirait que ce monstre veut rester à distance. Cela ne va pas être facile de l'attaquer. Il faut lui envoyer ses sorts, lui renvoyer ses sorts. Une parade juste avant qu'un prochain touche est des plus efficaces. Ouah, mais t'as vu la vitesse du coup aussi? Bravo! Souviens-toi de cette technique lorsque tu affrontes d'autres ennemis utilisateurs du chi. Ah, j'ai reçu trop de dégâts. Alors il y a un petit coffre qu'on va aller le prendre. Oula, chaussures de roublard. Par contre, pourquoi c'est fermé? C'est pas ce truc. Mais... Hop là! Mince, mais non, mais il attaque trop. C'est super dur, les gars. C'est vraiment super dur le jeu. Attends, mais il y en a combien des adversaires là? XP quand même, hein. Je suis monté de niveau. Ça a pas l'air comme ça les gars, mais vraiment c'est pas facile. Alors par contre j'ai eu un équipement. Donc les chaussures qui... Donc on peut rester silencieux grâce à ça, ok. Fait moins de bruit. Est-ce que ça vaudrait... Non, ça vaut pas le coup que je reprenne de la vie. Poil doré, ok. Je sais pas du tout où je dois aller. Bah ça tombe bien, j'en ai un. Bah j'ai un engrenage, pourquoi il veut pas? En voilà un de réparé. Ah, il en faut un autre.
Donc là, on est un peu en mode monde ouvert. Attendez. Ok. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche. Où est-ce que je veux aller, moi? Make, and why is he arguing with himself? Strange. Nashoba, this walkie is compromising our plans. You are right. He needs to settle down. What do you suggest we do, Mingan? Yeah. Ok, il peut pas se défendre indéfiniment, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai gagné la moitié d'un niveau. On va monter un peu de niveau aussi quand même. Il va vouloir attaquer à distance. Quoi? C'est quoi cette attaque à distance Ah, c'est les totems qui lancent. Il est en train de me fumer. D'accord, en fait c'est le totem qui me lance des trucs. J'avais pas compris ça moi. C'est quoi ça? C'est bizarre comme cristal, non? Allez, baston. Terminé. Un petit... Il manque un point d'XP. J'ai eu une amulette. Non, rien. Hein. Waouh. Ça me paraît compliqué tout ça. Hein. Air, eau, terre, feu, poudre, plante. Ok. Alors, il y a des pouvoirs apparemment. Qu'il va falloir sûrement débloquer. Il y en a pas mal en plus, hein, mine de rien. Shadow niveau 2, ok. Kimeni. XXRT. Bomi. XA. Ah oui, il y a des combos aussi à faire. Aucune action, aucune condition. Je sais pas. On va peut-être pas pouvoir tout voir dans cette découverte, mais déjà au moins le jeu en lui-même, parce qu'il a l'air vraiment cool. On va save ici. Là, il y a un... Attends, quoi? Ah, c'en est un autre. Il est où le... Il y en a un deuxième. Boom.
Let's go. Un petit niveau. De quoi me soigner si jamais. Et on ne peut pas aller là. Je m'en doutais un peu, hein, mais bon. Tiens, bon, on va prendre ce pont. Commentarien. You again. Hey, I'm not here to cause you any trouble. Si c'est comme ça avec des bandes dessinées tout au long, franchement, c'est classe. Hein. C'est pas tous les jeux qui peuvent se permettre ça. Leave this forest and never come back. Am I making myself clear? Le dessin, on voit bien qu'il est pas parfait, mais franchement, ça fait très bande dessinée, quoi. I can assure you that they're in no mood for a joke. Okay, just relax. I guess I'll just have to deal with the situation myself. Fuck this. Not so fast. You need to learn some manners, little one. Huh? Un boss? Yes, I'd love some more. Yum, 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 yummy. It's delicious. A little more spice this time, please. Thanks. That's disgusting! If this is supposed to be a joke, I'm not laughing. Don't panic, Pokey. You'll wake up soon. This is just a nightmare. Le design du squelette est incroyable. Je suis désolé, je voulais pas manger ton bras. De toute façon, il n'est pas vraiment à mon goût. Sans mon bras, je ne pourrais plus écrire. Même merci. Quoi ? Kayan, why did you have to hit him so hard? Well, you asked me to do something. Oh. Je me nomme Rosalia, et mon compagnon de route est Kayen. Enchanté de faire ta connaissance, petit Waki. Moi, c'est Poki, et je suis pas si petit que ça pour un Waki. Rosalia, sauf votre respect, nous perdons un temps précieux. J'étais à bord d'un vaisseau, le plus beau de tout Kempao, Lazano. Nous nous sommes écrasés, vous savez ce que c'est, trouver un pilote compétent est difficile de nos jours. Mon ami Shadow est peut-être blessé, il aurait mieux fait de sauter comme moi. Va falloir que tu trouves le courage d'affronter seul les épreuves. Kayen, ça suffit. Pour ma part, je refuse de laisser Poki seul dans cette maudite forêt. Rosalia, j'ai fait le serment de vous protéger. Ne me compliquez pas la tâche, je vous en prie. Notre ennemi ne doit plus être loin. Et nous avons perdu l'avantage de la discrétion. Je peux déjà vous assurer que ce Waki nous ralentira considérablement. J'en ai conscience, mais ce Waki est sans défense. Merci beaucoup, Madame Rosalia. Je t'en prie, choisir de s'entraider est une sage décision. Et je suis certaine que Kayen est d'accord avec ça. J'espère que tu sais courir vite, petit. Même si ta silhouette m'invite à penser le contraire. Nouveau personnage. Alors là, on est sur les quêtes. Shadow a disparu, je dois le retrouver. Pour le bon. Ok, donc ils se cherchent mutuellement, quoi. Franchement, l'ambiance, elle est cool, hein. Petite cascade. Des bambous. Attends un peu, Waki. Attends avant de continuer. Équipe-toi de cette discipline. Discipline ? C'est pour que tu puisses manipuler le Kido. Tu peux manipuler le Kido ? Fais-moi confiance, je ressens ces choses-là. Désolé de vous interrompre, mais il est temps. Ouvrir le menu. Équipement. Le Kiju.
Ah d'accord. Je vais le mettre sur Y. Mais pourquoi le mettre sur Y? Ah, ça doit être pendant les combats. Attendez, on va sauvegarder. On va avancer encore un tout petit peu et puis... On va aller à peu près jusque là où ça décolle au niveau de l'histoire et puis je vous laisserai le plaisir de découvrir la suite de votre côté. Parce que quand même, on a eu pas mal de cinématiques mine de rien. On essaye. Donc, LT, Piju. Ok, ah ouais. Enchaîne les sorts. On voit 4 Piju à la suite. 1, 2, 3, 4. D'accord, donc lui c'est un sorcier quoi. Pour finir, tu peux canaliser un sort pour le rendre plus puissant. Canalise complètement. Waouh. D'accord. De toute façon, chaque sort consomme du ki. Le ki est représenté par la jauge de couleur au-dessus de tes points de vie. Une jauge par élément. Tu peux surveiller tes points. Regarde l'arène autour de toi. Elle est un élément. Celui-ci change régulièrement en fonction de ton environnement. Tu peux accumuler du ki en te concentrant. Tu gagneras du ki du même élément que l'arène. Et ton sort est de nature haut. Attends que l'arène passe haut et concentre ton ki. Okay. Excellent. Souviens-toi que l'élément de l'arène est primordial lors d'un combat. Quand même taper au corps à corps. Oula. Ah ok. Ça va. Mince, je trouve plus ma clé de ki. Elle m'est toujours utile. J'ai dû la laisser tomber quelque part. Ah voilà. Ah voilà enfin mes outils. Askel, vous le connaissez? C'est une longue histoire. Askel est un mercenaire au service du roi. Il a parcouru tout Gendis dans l'unique but de me retrouver. Venir ici était une très mauvaise idée, partons vite. Mais Shadow vous avait dit que son ami n'est pas ici, sinon Askel l'aurait déjà trouvé. Il a dû lui aussi partir à ta recherche. On pourrait quand même aller vérifier discrètement, non? Non. Le point de rendez-vous se situe au sommet de cette falaise, près du nid sacré de Mantara. Ah, c'est vraiment classe, hein. Nous ne sommes plus qu'à quelques pas, suivez-moi. La réalisation, franchement, c'est chapeau. La 3D elle est un peu vieille, ça je vous l'accorde. En soi, les graphismes, c'est pas non plus la plus... C'est pas pour ça que tu as joué à ce jeu, quoi, aujourd'hui, en tout cas. Je peux brancher et débrancher des flux de chi pour alimenter des mécanismes. En récupérant le flux de ce relais, je devrais être capable d'alimenter celui qui est un peu long. Ok. Donc, on sort avec RB et on frappe. Il y a un truc que j'ai pas compris, je crois. Ah, délier flux. Saisir le flux. D'accord, donc si je lâche, ça s'arrête. Non, si je vais trop loin. Dans ce cas-là... La question c'est où est-ce que je dois aller? C'est quoi ce cristal là? Je peux pas aller très loin. Hein. Dès que je m'écarte un petit peu, c'est foutu.
Je sais pas où je dois aller. J'ai pas compris là. Ils m'ont lâché ici, mais pourquoi faire? Ça se trouve. Clé de qui finir le puzzle. Je peux plus sauter. Je peux plus sauter, les gars. Il est bugué. Ah, ou alors c'est parce que j'ai la clé. Ah, c'est parce que j'ai la clé. Ah, attendez. Il faut que je vois où est-ce qu'il y a. Alors, on va peut-être sauvegarder. Hein. Ça peut être pas mal. Je peux pas. Il y a rien en dessous. Hein. Est-ce que je me ferais pas arnaquer par le jeu, là? Genre là, je sors la clé. Je saisis le flux. Et je vais où? Je vois qu'un seul cristal, moi. Donc c'est forcément là-bas. Mais là, je suis allé trop loin. Ah, attends. Je crois que j'ai compris. Attacher le flux. Voilà. En fait, c'est les racines. C'est pas le cristal, c'est les racines. Donc là, c'est bon. Passe quoi? Délier le flux. Ok, c'était ça. D'accord. Je connais le kung-fu maintenant. En fait, faut faire une fois du cristal au relais et le relais au cristal. Et après, il peut y avoir 36 relais, mais il faut passer par tous. C'était pas évident. Hein. Ah oui, c'est vrai que tant que j'ai la clé, je peux rien faire. Pomme bleutée, ok. C'est bon. On arrive dans la même clairière que notre ami, mais pas au même endroit. Si, ah si, on est arrivé au même endroit là. D'accord, je vois les cristaux. Ah, par contre, nous on va pas en ville apparemment. Là, il y a deux cristaux. On dirait que je vais revoir. Le circuit est mal agencé. Il va falloir que je débranche le flux qui me barre la route. Comme ça, je voudrais brancher le bon flux sur le cristal qui se trouve là-bas. Ok. Je suis un bon moment ou quoi? C'est quoi ça? Ah, attendez. Ok, là il y a un cristal jaune. Donc là, je sors, je détache le là. Je récupère ici. Je le mets là. Je prends ici. Et hop là. Donc on a bien, j'ai bien compris le principe. J'ai bien compris le principe. Maintenant, on n'a plus qu'à retourner par ici, à monter. Et let's go pour la suite. Franchement, les casse-têtes sont vraiment cool. Hein. Faut comprendre le principe, évidemment. Hein, mais parce que le tuto, c'est franchement, il est un peu à mettre à la poubelle, quoi. Genre inexistant. C'est un peu difficile de dire ce genre de choses hein, pour moi, mais là, enfin, marquer, expliquer en texte ce qui est écrit sans rien montrer. Et en plus, finir l'explication par un texte qui marque « Résolvez le casse-tête ». Ok, quoi. Faut être bien accroché. Hein. Après, c'est, à mon avis, le jeu, il brille pas forcément dans ses casse-têtes, même s'ils sont sympas quand on a compris le principe. Ça reste quand même léger pour l'instant. Mais bon, c'est un début de jeu. Je sais pas combien de temps le jeu, il va durer.
Je sais pas si la clé et tout. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on les a un par un, les personnages. Mais qu'est-ce que ça va être les casse-têtes quand, quand on sera à plusieurs, quoi. Bon, c'est pas un combattant de corps à corps lui, hein. Clairement. Aïe. Ouah, je vais me faire éclater. C'est difficile, hein. Faut que j'attende de... Vert. Allez, bleu, 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 rouge. Oh, c'est pas vrai. Okay. 7, 8, 9, 10. Ok, nickel. 3, 2, 1. Allez. Un autre combattant. Mince. Oh, il m'a cancel. Je pensais qu'il me louperait. Let's go. Commencez à comprendre le principe de comment ça se joue. Il est passé niveau 2. Donc c'est une bonne nouvelle. En tout cas, le système de combat, franchement, il est vraiment cool. Difficile, mais cool. Genre, si tu arrives à bien maîtriser la contre-attaque, franchement, tu te fais plaisir. Hein. Tu te fais vraiment plaisir dans le jeu. Ouais. Acheter. Pomme bleutée. Alors, il n'y a pas d'équipement, mais il y a de quoi acheter. Ok, j'ai combien d'argent là? J'en ai 150. Soigne toutes les altérations d'état. Immunise au casse-garde pendant 10 secondes. Un peu de frilosité n'a jamais tué personne. Ok. D'accord, bon, on va rien acheter. Hein. On est arrivé en Montarien. Ah, Cayenne, je commençais à m'inquiéter. Il était temps. Que s'est-il passé? Ce n'est pourtant pas ton genre d'être en retard. Pardonne-moi, il y a eu plus de complications que prévues, mais nous voici enfin parmi vous. C'est donc elle, Rosalia Dardoria. Rosalia, permettez-moi de vous présenter mon frère de chasse, Nashoba, dont la force n'a d'égal que sa sagesse. Et Migan, aussi rusé et rapide que le vent. Leur force et leur courage garantiront la réussite de notre mission. Je tiens du plus profond de mon cœur à vous remercier. C'est un grand honneur d'être escorté par des guerriers aussi valeureux que vous. L'honneur est pour nous, Rosalia. Nous avons tellement entendu parler de vous. Oh, allez, montre-moi Poki, ils ne te feront pas de mal. Salut tout le monde. Voici Poki, ce jeune Waki est désormais sous la protection de Rosalia. Je n'ai eu d'autre choix que de le ramener. Deux Waki en un jour, voilà qui est exceptionnel. Deux Waki, vous avez vu Shadow? Poki est à la recherche de son ami, il est possible que vous parliez de lui. Oui, il a un style un peu démodé et il porte un bandana rouge pour souligner son côté rebelle. Rebelle? Il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Où est-il? Où est-il? C'est-à-dire que nous avons dû prendre quelques dispositions. Il parlait constamment et gesticulait dans tous les sens. Ne me dites pas que vous... I was just teaching him a lesson. I suppose we had to take care of him one way or another. Finally, they're reunited. At least that's one thing taken care of. Shadow! I thought you were... Pourquoi? They're unfashionable, huh? Rosalia, it's time. Sérieusement, Poki, faut être totalement cinglé pour sauter comme ça hors du vaisseau. Qu'est-ce qui t'a pris? Sérieusement, ouais. Bonne expérience, 15. Je suis désolé, vraiment, j'ai paniqué. Je pensais que nous naviguions en mer et j'ai sauté. On ne te reparlera pas, Poki. Mais tu sais, en mer comme dans les airs, n'oublie pas qu'on forme une équipe.
Hey, les jeunes, on ne vous a jamais appris à parler moins fort. Gardez en tête que l'arbre peut tout à fait accueillir deux Waki. On se calme, promis. Donc vous êtes perdus dans la météora de Gandhi, soyez vigilants, les jeunes. Cela fait maintenant 15 cycles élémentaires que ces deux conflits s'y multiplient. Ah bon, quel genre de conflit? Vous devriez poser ce genre de questions à la commandante Iris, lorsqu'elle sera moins occupée. En attendant, passez me voir quand vous aurez un moment, j'ai une mission à vous confier. Donc là, on commence à avoir des quêtes, on va pouvoir sûrement naviguer un petit peu dans le monde semi-ouvert. Mais... Je pense qu'on va faire la pause maintenant, les amis. Je sais que l'histoire n'a pas tout à fait décollé, mais je ne sais pas dans combien de temps elle décolle, parce que si on nous donne des quêtes à faire, on en a encore pour facile, je pense, entre 30 minutes et 1 heure. Donc moi, c'est un peu beaucoup pour le... Là, ça va faire un peu beaucoup pour la découverte. Donc je vous retrouve dans une seconde. Donc, ouais. J'espère en tout cas que ça vous a plu, cette découverte de Shyness. Si c'est le cas, on va faire plein d'autres découvertes, évidemment, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars, c'est important. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, salut!